Regarde cet endroit. Toutes ces années passées dans une grande ville, et on finit par la quitter. On vit un rêve éveillé. Après tout, ce n'est peut-être qu'un rêve. Quelque chose a explosé. Il y a eu cette espèce d'éclair, de couleur rose, je crois. Non, en fait, je sais pas de quelle couleur c'était. C'était une couleur que j'avais jamais vue avant. On dirait une météorite. Tu crois que c'est radioactif? Ça vient de l'espace, non? En général, les météorites sont pas plus dangereuses que des pierres ordinaires. Comment une chose aussi énorme a pu disparaître? C'est toi qui as planté ces fleurs? Non. Ward, vous pouvez venir une seconde? Qu'est-ce que tu fabriques? Chut! Il est en train de me parler. Qui est en train de te parler? Le monsieur qui est dans le puits. C'est dans ce qui bouge pas, dans l'humidité. Ce qui est à l'intérieur est dehors. Et ce qui est à l'extérieur est dedans. Tout est sous contrôle. Comment tu peux nier ce qui arrive? C'est cette chose qui est venue avec la météorite. Ça change tout ce que ça touche. Ce n'est qu'une couleur. Corps! Mais ça brûle. Alors tu me crois maintenant? Maintenant, je sais plus du tout ce que je crois. Tu verras, tout ira bien.